Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseiller délégué. Mon cher Guy, nous saluons cette initiative qui vise à soutenir le commerce de proximité à Vizil. Cette étude à Vizil est un signe fort de la majorité, un signe fort qui est donné aux petits commerces qui sont au cœur de l'animation dans nos villes et nos villages et qui participent à la création du lien social qui vitalise nos centres-villes et nos centres-bourgs. Mais je voudrais profiter de cette délibération pour vous faire part d'une réflexion de notre majorité à propos du commerce de proximité sur les ouvertures le dimanche, conséquente d'un des volets de la loi Macron qui a pour objectif de permettre l'ouverture plus fréquente les dimanches. Depuis longtemps, cette question de l'ouverture dominicale suscite débats et controverses. Vous savez que jusqu'à présent, le maire seul pouvait accorder une autorisation d'emploi salarié dans le commerce de détail le dimanche pour un maximum de 5 dimanches par an. La loi Macron permet d'ajouter 7 dimanches qui relèvent, cette fois-ci, de la décision métropolitaine. Nous ne devons pas laisser mourir le petit commerce et nous devons faire face à l'évasion commerciale. Je veux vous dire que nous sommes en conséquence opposés à l'ajout des 7 dimanches supplémentaires de la loi Macron. D'abord parce que, très concrètement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours ouvert à la demande exclusive de la commission de la CCI qui donne avis sur cette question, 2 dimanches par an. À la demande des commerçants de proximité, des commerçants... S'il vous plaît, et restons sur la délibération, mes chers collègues. Qui ne souhaite pas ouvrir plus de 2 dimanches par an. Ce que l'on demande aux autres doit s'appliquer à chacun. Très bien. Donc, je termine sur ce point pour vous dire que nous aurons l'occasion de revenir Absolument. Sur cette question dans d'autres débats. Vous voyez, vous savez le prendre, même sans l'avoir demandé.